encontramos en una entrevista para la revista Alto Peinado, en esta ocasión con una leyenda que trabaja para L'Oréal París, y en esta ocasión se presenta con Babilis Spray. Nos va a platicar un poco sobre las herramientas y sobre las tendencias que vamos a estar viendo en este 2017 y esperemos también 2018. Se trata de Leticia Guenou. ¿Ça va, Leticia? ¿Cómo te va? Très bien. Muy bien. Muy bien. Ok, ça va. Est-ce que tu es venue pour participer? C'est la première fois que tu es ici? Non. Je suis venue plusieurs fois au Mexique depuis 20 ans, déjà à travers L'Oréal, mais c'est la première fois que je me produis pour Babilis. Ok, donc c'est la première fois que vous travaillez avec Babilis ici dans ce type de choses, hein? Absolument. Absolument. Ok, et qu'est-ce que vous allez montrer? Quels sont les matériels que vous allez utiliser? Alors, j'ai utilisé plein de matériel en backstage, bien sûr, mais je n'ai pas la nécessité d'utiliser tout ce matériel-là une fois sur scène. Comme lesquels? Par exemple, comme tous les fers à friser qu'on a déjà rangés parce qu'on a fini de travailler. Le séchoir, la plaque à lisser, le gaufrier. C'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est constamment en évolution. Et j'ai démarré mon métier il y a 40 ans maintenant. J'avais commencé déjà avec Babilis parce que c'est une marque qui est très connue en France et de par le monde. Hein. Et c'est vrai que je suis très contente d'être l'ambassadrice d'une marque comme Babilis parce qu'on a quand même un éventail de matériel ergonomique d'abord. Donc, qui facilite non seulement le travail, en même temps fait attention à la santé du coiffeur. Et en même temps, c'est une marque qui se renouvelle en permanence. Okay, d'accord. Et pourquoi est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec Babilis? Parce que j'ai signé un contrat il y a 6 mois. Il n'y a pas très longtemps que je suis l'ambassadrice de la marque. Et c'est la raison pour laquelle c'est une première. Et Babilis ne fait pas beaucoup de shows non plus. Donc, il commence à faire des shows maintenant sur le palco. Mais ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient. Ce n'était pas vraiment dans leur, comment dirais-je, dans leur politique, en fait. Et maintenant, ça y est, ils commencent à faire du show. C'est pour ça qu'ils recherchent des coiffeurs ambassadeurs et tout ça. Donc, c'est une vraie première. OK. Et commentez à nous. Quelles sont les tendances qu'on va voir dans ces shows ce soir? Alors pour le mien, en tous les cas, je reste toujours dans une tendance très française, on va dire, qui est... Les chevaux... Non, alors je ne vais pas couper du tout, c'est que du chignon, comme vous pouvez voir là, puisque Sébastien coupe. Hein, donc lui, il y a une partie, enfin dans la journée, ça a été articulé avec plusieurs artistes que vous avez pu commencer à voir. Et il y a des artistes qui coupent, il y a des artistes qui font du styling, etc. Et moi, comme je suis la dernière, je finis un peu, je clôture cette journée. Donc j'avais envie de clôturer cette journée avec un défilé parisien, très couture, très chignon à la française en fait. Ok, ça marche. Et quelle est la différence entre ces choses-là que vous allez faire donc, et les shows passés que vous avez présentés ici à Mexico? D'accord. Ben, la différence, elle est que ça dépend sur quel segment je vais travailler. Là, par exemple, sur certains shows, c'était que de la coupe. Donc, quand c'était de la coupe, il y avait des coupes un peu fortes en style ou alors des choses plus commerciales qui s'adressent plus à la consommatrice, donc aux femmes qui vont porter après ces coupes et qui sont plus mes collections. Après, il y a des choses qui sont importables aussi, qui sont de l'ordre de la, on va dire, de la haute couture, un petit peu, donc qui ne se voient pas dans la rue, qui ne se portent pas en général, mais qui font rêver les coiffeurs. Et de ces shows que je peux présenter comme ça, ce sont des choses qui sont pas, qu'on ne voit pas vraiment ni dans la rue ni dans les salons, ben les coiffeurs s'approprient ça et ensuite le transposent avec quelque chose de plus commercial, de plus prêt-à-porter. Et d'ailleurs, la haute couture, enfin le prêt-à-porter dans le vêtement, s'inspire de la haute couture. Ben, c'est un peu ça. Maintenant que vous avez mentionné la haute couture, comment est-ce que ça change avec les temps? C'est quoi qui définit la haute couture? C'est quoi qui définit la haute couture? Ouais. Parce que ça change avec les temps. Bien sûr, ça, c'est des collections qui changent tous les 6 mois. Donc tous les 6 mois, les couturiers comme les coiffeurs vont vers une tendance qui est donnée, qui est une tendance un peu générale, je dirais, qui est un peu mondialisée aussi. Et là, je dirais que pour la rentrée, la tendance qui va être vraiment très très forte à la rentrée, à partir de septembre, on va revenir à des choses très bouclées, très frisées, avec des volumes un peu improbables comme ça.
On est plus dans une recherche aussi de garden un peu, où la nature va être très... Dans les vêtements, on va retrouver des fleurs, des papillons. Des... Donc on est plus dans quelque chose de jungle aussi. On va être très jungle pour cette rentrée aussi, enfin pour septembre. Et nous, les coiffeurs, on sait que le vêtement, c'est... C'est la continuité d'un... Le cheveu, c'est la continuité d'un vêtement et d'une silhouette. Donc, ça complémente beaucoup. C'est un complément, absolument. Et donc, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, nous aussi, on essaye d'avoir des couleurs assez fortes qui se superposent, qui se mélangent. Et d'ailleurs, on dit que la couleur, c'est le nouveau make-up, quoi. C'est devenu un nouveau make-up parce qu'on cherche à avoir un peu ces couleurs qu'on trouve dans les vêtements qui sont assez un peu comme ce que vous avez là. Eh bien, on fait des imprimés comme ça dans les cheveux maintenant. Mais aussi, maintenant que vous avez mentionné, la culture française a aussi une forte inspiration de la culture japonaise, n'est-ce pas ? Absolument. Enfin, personnellement. Les couleurs, les fleurs. Le... Je suis très, très fan du Japon. C'est un pays qui est très inspirationnel pour moi, que j'affectionne tout particulièrement. Je vais souvent au Japon aussi. Et c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu aussi, on va chercher ces tissus, ces formes, ces imprimés japonais qui sont magnifiques et que dans la haute couture française, on va beaucoup retrouver à la rentrée aussi. D'accord. Et pour finir, seulement une question sur Babyliss Pro. C'est lequel votre préféré matériel pour travailler ? Alors, il y a deux matériels que j'adore, tout particulièrement. Je les aime tous, hein, mais ceux que j'affectionne le plus chez Babyliss Pro, d'abord, c'est le séchoir, le Rapido, qui est vraiment que j'ai là, si vous voulez, je peux vous le montrer. Je sais pas, c'est juste là. Celui-ci. Hein. Il est super léger et il est rapide. C'est pour ça qu'il s'appelle Rapido. Estamos mostrando una de las herramientas favoritas de Leticia, que en este caso es la secadora Rapido. Muy bien. Que porque trabaja bastante rápido y es muy ligera. Il est sincèrement, et puis au niveau ergonomique aussi, il a été très très bien étudié. Donc c'est vraiment un séchoir que j'aime beaucoup chez Babyliss Pro. Et ce que j'aime aussi, c'est leur gaufrier. Ils ont un gaufrier aussi qui est assez large, donc on va très vite parce qu'il est large, mais en même temps, à l'intérieur, c'est quand même des lamelles comme ça qui sont assez resserrées, donc qui chauffent très très vite. Et donc le pli est vraiment imprimé rapidement. Donc c'est un gain de temps pour nous, les coiffeurs. Et en même temps, il est aussi léger et agréable à utiliser. Très bien. Nos comenta que su segunda herramienta favorita es la que crea los pequeños pliegues en el cabello porque calienta bastante rápido y crea una textura y un estilo de pliegue que es bastante notorio y no se pierde entre el cabello. Bon, Leticia, merci beaucoup pour cette interview. Muchas gracias. Y bonne chance. Hasta luego.